Rebienvenue tout le monde sur le dernier lieu de notre pillage, ou plutôt sur le lieu de notre dernier pillage. Parfait comme intro, c'est génial. On n'a pas tout à fait fini de tout piller, il me semble. Va, ma fille. Ah bah si. D'accord. Le mec vachement au courant de ce qu'il fait, c'est lui qui dirige l'opération, mais tout va bien. Ah ouais, y a plus de richesse ici, c'est vrai. Ah bah si, on a tout fini, donc c'est la bonne nouvelle. On va retrouver Sigurd. Ça a été le thème de l'épisode précédent, ne pas retrouver Sigurd. Eh bien cette fois je ne peux plus l'éviter, je vais aller voir Sigurd pour poursuivre ma quête. Et surtout la quête qui consiste à retrouver Burgred. Bon, je pense que sans grande surprise, on va pas retrouver Burgred dans son autre cachet de potentiel. Oui, ayez peur, je suis une méchante danoise. Vas-y, fais ton grognement, Ivor. Que ces gens aient peur de toi. Donc on va se diriger tranquillement vers le navire. Est-ce que tu peux avancer un peu plus vite, Eivor, s'il te plaît? Merci. Donc tranquille, petit pillage qui a duré toute la nuit. On a récupéré beaucoup de matériel et beaucoup de matières premières. Et pas que dans l'épisode précédent. On avait déjà commencé un petit peu, notamment au niveau du matériel, dans les épisodes d'avant. Prochain coup, quand on retourne à la colonie, on va être riche. Et on va faire plein de trucs. Alors, bien sûr, j'aurais peut-être dû m'attarder pour ramasser quelques baies. C'est pas grave. Alors, bien sûr, je vais réactiver la quête du temple. De Temple Bro. On va pas s'embêter à déployer la voile parce qu'on a un pont juste en face. Allez, ramez. Démontez le mât. Et nous allons arriver là où se trouve Sigurd. Mettez le mât en place. Qui nous a bien attendu dans l'épisode précédent. La voile est prête à servir. Ouais, mais pas de voile, c'est bon, tout va bien. Regardez. Il fait beau. On a récupéré pas mal de richesses. Ou plutôt pas mal de biens nécessaires au développement de la colonie, à la construction de bâtiments importants. Richesses aussi, bien sûr. On n'a aucune raison d'être stressé. Tais-toi. Il n'ouvrira plus jamais la bouche. On t'a tout dit. Pourquoi tu ne nous laisses pas partir? Ça dépendra de ce qui se passera ici. À ton avis, par la terre ou sur l'eau? Si on y va en bateau, ça va faire de l'agitation. Ah, et c'est mal? Mais ils vont parler. Il y en a forcément un qui va parler. Tiens d'ailleurs, tac. J'en ai besoin. Eivor, te voilà. Qui sont ces prisonniers? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Atel Swiss, sa reine, qu'il protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Cheolbert à l'Edcestre. Cheolbert? Que faisait-il là-bas? Ivar. C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ses hommes. Nous devons entrer et trouver Atel Swiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi, ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaie de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Atel Swiss. Codin, guide vos pas. Les Saxons ne vont pas nous accueillir à bras ouverts. On peut essayer d'entrer discrètement ou utiliser ton navire. Le choix te revient. Ah, Eivor, ce que j'ai pu rêver de ce jour. Celui où tu parcourais un comté à la recherche d'un roi? Celui où je me ferais viking. Avec toi, avec nos frères et sœurs. À conquérir de nouvelles terres. À lier des amitiés. Et si cela suppose de traquer une fouine en terre inconnue, qu'il en soit ainsi. Je suis là où je désire être. Moi aussi, mon frère.
Ouais, je pense que les attaques façon viking, les attaques façon pillage, on en a déjà assez mangé dans l'épisode précédent, on va tenter d'être un peu plus dans la discrétion, le plus possible bien sûr, parce que c'est pas encore tout à fait garanti. Alors, ce monsieur qui est là nous voit totalement, enfin il aurait pu nous voir mais il s'en fiche apparemment. Donc trouver la reine. Ok, ok. Alors on aurait pu rêver par là effectivement avec le navire. Mais la discrétion semble être effectivement la meilleure approche. En tout cas, j'aime bien la subtilité, de temps en temps, quand même. Alors, par où on va passer? On pourrait escalader le mur là. Là, il y a une corde. Et à partir de là, on peut escalader la tour et c'est gagné, quoi. Enfin, c'est gagné. Enfin, escalader la tour, ouais. Oh, d'accord. Oh, très bon itinéraire pour trouver des richesses. Ok, vendu. Je vais mettre un point pour pas me perdre, parce que je suis tellement dur à me perdre. Donc à peu près là. Voilà. Ça reste relativement... C'est suffisamment précis. C'est pas genre précision plus, mais voilà, c'est... C'est plutôt correct. C'est même parfaitement convenable. Ce que tu as fait est très bien, je Kev. Je ne dois pas être vu par ici. C'est bon, non? Elle ne met pas la capuche toute seule. Allez, suis-moi, Sigurd. Tu peux grimper ou pas? Ok. Encore une fois, un zone très vaste. On l'a souvent dit dans Odyssey, par exemple. Les zones très vastes, souvent, ça va de pair avec une densité de soldats assez faible. Parce qu'ils ont une grande zone à couvrir, forcément, donc ils sont très éparpillés. Et ça nous arrange beaucoup. Bon, Sigurd, tu te débrouilles, tu trouves un chemin. Parce que je pense pas qu'il puisse escalader. J'ai jamais trop fait attention aux personnages qui pouvaient ou non escalader. Globalement, je crois qu'Eivor est la seule suffisamment tarée pour escalader cette tour. Okay, eux, je les vois totalement. Ils vont... Ouais, ils vont tellement me voir, quoi. Alors, attendez. Je sais plus du tout. Faut que je regarde. J'ai pas, genre, une compétence qui me permette de diriger les... Non, c'est pas une... Oui, si, c'est une compétence. C'est une compétence. Qui me permet de diriger les flèches. Ah, mais assassinat enchaîné, c'est cool, ça. Non, mais c'est cool. Mais c'est bon, ça suffit. Est-ce qu'on peut le faire comme ça, quand même? Si, ça marche. Oh, ça a pas marché. Pourtant, je l'ai lancé. Alors, peut-être pas au bon moment, alors. Je suis déçu, sachez-le. Non, c'est bon. Ok, bien étourdi. Excellent. Bon, après, ils étaient que deux, donc ça va. Ah, le très gros coffre, il est à moi. Lingot de carbone, évidemment, c'est précieux. Yes. À moi. Par contre, c'est tout. C'est tout, c'est un peu décevant quand même. Pour l'instant, aucun signe de la reine. Alors, cela dit, bon, dans le bâtiment, ça a l'air... Ça a l'air évident qu'elle est là-dedans. Je sais pas s'il y a une entrée un peu cachée, quelque part. Peut-être un peu plus bas, ouais. Ah ah! Ah non, pas du tout. Je pensais que l'échelle descendait beaucoup plus bas. Alors par là, peut-être. Là, je pense qu'une entrée, c'est pas absurde d'en trouver une. Voilà, Sigurd complètement paumé, bien sûr. Ah, d'accord, le garde a une richesse sur lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Lui, là-bas, là.
pense que c'est complètement cramé si je lui saute dessus. Bah non, ça va. Du coup, j'ai pas vu ce que c'était. Lingot de carbone, super. Et c'est tout, d'accord. Un peu bizarre, l'architecture de cette forteresse. Alors, j'imagine que je dois passer par en dessous. C'est quand même assez chaud le manque de garde dans certaines zones. On a passé, en fait, on a passé le premier rideau, voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que... Mais tout le monde est fatigué là ou comment ça se passe? Oh, pourquoi pas, allez vas-y. Tous les gardes sont bugués, c'est infâme. Non mais c'est ça, ils sont vraiment tous bugués, c'est même pas une blague. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Hein? D'où il sort lui? Mieux vaut aller voir. Parfait, quel saut incroyable. La concentration était maximale. Alors si j'étais vraiment soucieux de la propreté de ma mission, je planquerais les cadavres. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'ai pas vu d'où il sortait lui par contre. Moi Sigurd, je sais pas si t'as trouvé un chemin, mais bon, j'espère que oui. Là, ça c'est bon. Alors. C'est bon, il n'a pas déclenché l'alerte. Ça va. Alors, donc ça c'est une grande porte. On veut aller de l'autre côté, j'imagine. Ah non, c'est la sortie. Montre-moi cette terre, mon ami. Non, moi ce que je veux, c'est aller par là, en vérité. Mais allez où votre entrée, là? C'est vraiment casse-pied, votre baraque, là. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une... Ah, bon sang, la tête de Sinine qui tourne au ralenti. Ouais, d'accord. Non, mais je sais que c'est là la zone de recherche. Ça va, je suis pas stupide. Ben, je suis perdu. Oh mince, on peut pas monter là. Descends, Eivor, je t'en supplie, descends. Ok, une échelle, super. Ah, ça aurait été plus simple d'attaquer directement quand même. Oh, j'aurais quand même galéré à trouver une entrée quand même, je pense. J'espère qu'il n'y a pas qu'une seule porte pour entrer quand même. Ce serait d'une tristesse. Alors peut-être que c'est là-dessous, j'en sais rien. Pas du tout. Sinon on a une technique. Une technique ancestrale dans ces jeux-là. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Voilà. Alors. Parce qu'il y a plein de grandes portes, mais des toutes petites portes ou des fenêtres. Bref, les. Les autres ouvertures, on les... Non mais c'est sérieux, comment j'ai fait pour rater ça? Ok. Non bah je pense que j'ai jamais été de ce côté-là tout simplement. Par contre je peux vraiment passer par en haut, donc vraiment j'ai pas eu l'inspiration pour ce truc-là. J'ai avancé au pif et j'ai pas eu de chance quoi. Mince, il est où le truc pour aller vite en haut? Je sais plus. Bon, tant pis.
vu qu'il n'y a personne à mi-hauteur. On va passer par là. Ah mais là aussi ça marche. Il est où mon repère? Est-ce que je le vois ici mon repère au moins? Je suis vraiment juste à côté, c'est ça ou Qu'est-ce que tu vois? Ou c'est une porte qui avait un petit peu sur le côté aussi? Ah non, il y avait deux axes. Non mais vraiment? J'ai vraiment tout raté à ce point-là. C'est ça qui me fait le plus rire, voir à quel point je me suis planté, voir à quel point je suis pas doué. Elle est pas là, la reine? Par contre, je pense que pour aller plus bas, j'ai pas trop le choix, il faut que je... C'est des escaliers, là. Ça va être compliqué, là, de passer inaperçu. À moins que... Oh! J'en ai vu jeter des épées en parfait état dans la rivière après... Alors, par précaution, je vais faire ça, quand même. Sinon, je serais allé les repêcher. C'est bon, ça a tué les trois. Aucun souci. Ah, sérieux? Ouais, c'était pas nécessaire le coup de la torche, mais bon. C'était pour assurer le coup, quoi. C'est bien ce qui me semblait qu'ils étaient 5. Donc toi, t'es le boulet qui se réveille après la bataille. Bravo, tu sers à rien. Ouh, sauf à ça. Ouah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, livre de savoir. Quoi ? Nouvelle aptitude, tir perforant. Yes. Et je pourrais réviser toutes les aptitudes que je n'utilise jamais. Surtout au niveau de l'arc. Alors, le coup de la main, c'est quoi déjà ? Poudre incendiaire. Fixation à la flèche d'un petit sachet dispersant une poudre volatile à l'impact. Ah ouais, c'est une poudre qui s'enflamme... D'accord. Quand quelqu'un passe à proximité, ça fait une petite explosion. D'accord. C'est un petit piège, quoi, pour les gens qui passent. Tir perforant, tirer une flèche avec assez de puissance pour percer presque tous les obstacles. Ok, donc on peut traverser les palissades en bois. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est le harcèlement, je crois. Avec signer une diversion par corbeau, c'est vrai. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. En extérieur, bien sûr. Et ça, c'est le marquage, marque de la mort. Ouais, ça, ok. Mais c'est marrant, mais les combinaisons de touches pour les aptitudes, je les ai pas encore bien intégrées dans ce jeu-là. C'est assez curieux, c'est pas du tout naturel pour moi. Pourtant, au niveau de l'arc, c'est à peu près la même chose que dans Odyssey, mais je sais pas. Je crois que c'est pour... Par contre, c'est pour les attaques physiques que c'est pas la même chose. Parce que je crois que c'est en maintenant L1, justement, qu'on affichait la roue des compétences, ou enfin des aptitudes, dans Odyssey. Et du coup, maintenant, j'ai toujours l'impression que... Pour moi, j'ai vraiment associé la touche R2 aux attaques lourdes. Sauf que le jeu fait bien la distinction entre une pression simple, donc une vraie attaque lourde, et le maintien. Ça fait pas d'attaque, quoi. Mais je sais pas, ça me... Je trouve ça bizarre. Toutes les trois, filez. Dame Atel Swiss, je vois que Borgred a fait son possible pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordez la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor ? Noble, altruiste, le genre de femme avec qui on peut conclure un marché, une dame de qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous ce cache Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation, mais elle va vite comprendre. Attends. Ce sont des mains de Lavandière.
Une servante. C'est un leurre. Garde ! Venez, les Danois vont trouver. Occupe-toi des servantes. Je vais suivre Tel Swiss. Il y avait un texte. Je voulais le lire, mais... c'est un peu urgent. Ouais, poussez-vous, j'ai pas le temps. Olé, olé. Ah, vraiment super, les gardes. Vraiment bravo. Monture indisponible dans les zones interdites. Allez, tant pis. Allez, Ivor. Ouais, ouais, c'est... on est à égalité, là, c'est parfait. Pareil pour le sprint, je sais jamais s'il faut maintenir la touche ou s'il faut la relâcher. Mais sprint, je t'en supplie. Voilà. Ils approchent. Non, non, y'a qu'à Ivor, y'a qu'à Ivor. J'ai pas une endurance infinie par hasard. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est l'heure de payer. Bonjour. Je vous ai attrapé, c'est fini. Qu'est-ce que... Mon mari vous enverra tous en enfer. Ok, super les gardes. Bon, toi, tu vas te calmer tout de suite. Arrête ça! Je te l'ordonne! N'approche pas de moi! J'ai cassé mon bateau. Quelle puissance! Ne t'avise pas de poser les mains sur moi! Ah, mais taisez-vous, par pitié! Elle peut s'enfuir, techniquement. Allez! Ça, ça calme. Qui me tire dessus, là, depuis tout à l'heure? Arrête avec tes Superman Punch là, c'est pas drôle. Il se fatigue beaucoup. Agile mais peu endurant. Ok, tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Ah, sérieux? Toucher et après, c'est facile. Toucher. Là. Oh, une cible immobile. Quelle honte de ma part. Allez. Venez avec moi. Oula, par contre, ce truc-là est en sale état. C'était bien pensé, ta seigneurie. Tu ne nous as pas facilité le travail. Je t'interdis de me toucher, païenne. Ton sens de l'hospitalité s'est envolé. Pff, voilà qui est clair. Relâche-moi. Je l'exige. Après le mal que tu m'as donné, ce serait idiot de ma part. As-tu conscience de ce que tu fais, païenne? Je suis la reine de Mercy. Ouais, et moi je suis la reine du bal. Tu perds ton temps, je ne parlerai pas. Ni à toi, ni à aucun de tes frères barbares. Je t'invite à te raviser, ne serait-ce que pour ton peuple. Qui sait combien risque de mourir de nos mains de barbares? Tu ne me fais pas peur. Alors tu es stupide. C'est où le campement déjà? Parce que bon, moi et mon sens de l'orientation, bof quoi. Bah oui, là où j'ai le navire quoi. Ouais, c'est vrai. Les gars, ils m'ont vu passer en trombe. Allez, Votre Altesse. Vous avez vu ma prise? Impressionnant, hein. Dame Atel Swiss, ta situation est peu enviable. Dieu fera rôtir ton âme païenne, s'il t'en trouve une. Je l'ai prise, Eivor. Elle est aussi poète que toi. Où est ma Cadeline? Qu'avez-vous fait d'elle? Tu veux parler de ta servante? La fille courageuse qui a revêtu tes atours?
Elle est enchaînée avec les autres. Je vais les ramener à Tamworth. Nous les ferons parler. Si l'un de vous ose porter la main sur elle. Je vais informer Teowulf. Il saura peut-être comment parvenir à la faire plier. Je te retrouverai là-bas. Sigurd, et pour les prisonniers? On a ce qu'il nous fallait. Relâche-les. Ok, ça marche. Sois à jamais béni, l'ami. Merci. Oh, il est sympa. Vraiment, pour quoi? Pour quelqu'un qui a perdu sa reine sous ses yeux, ça va. Enfin, perdu sa reine. Pour quelqu'un qui m'a vu capturer sa reine tout près du campement où il était rendu prisonnier, c'est cool. Allez. Et jouez pas les héros. Hein. Par Odin, qu'est-ce qui se passe? Lui, ça va tranquille. Il avait envie de traîner un petit peu. Alors par contre, je tiens à le dire, j'ai un énorme respect pour la reine. Comment elle s'appelle déjà? Ethel Swith. Alors je sais plus. Alors là, c'est pour la version originale, parce que je trouve que là, pour le coup, le français ressemble pas à grand-chose pour ces noms-là. Le TH, je suis désolé, mais là, par contre, je peux pas le prononcer à la française. C'est ancré en moi depuis très longtemps, je prononce le TH comme il faut. Je ne pourrais qu'en de très rares occasions le prononcer vraiment à l'anglaise. Mais... Ethel, c'est un préfixe qu'on voit dans beaucoup de noms de l'époque. Et je sais plus ce que ça veut dire. Ah si, je crois que c'est un préfixe qui était réservé justement aux familles nobles. Donc c'est un préfixe voilà qui indique qu'on vient d'une famille noble. Et donc forcément, bah, les familles royales, par définition, sont à la base des familles nobles. Donc on trouve beaucoup justement de ces noms-là. Notamment, bah, je parlais du roi Alfred le Grand, bon, qui est le seul roi de l'époque que je connaisse un petit peu, parce que j'ai fait des recherches après après avoir vu les 4 saisons qu'on a actuellement de The Last Kingdom. Et donc quand on voit bah, sa femme Ethel Fled, sa fille Ethel... Non, Ethel Red, c'est le mari de sa fille. C'est plutôt Elswith carrément Oh, je sais plus, enfin bref. Mais le A-E-L, c'est un truc qu'on trouve beaucoup. Et le Ethel aussi, énormément. Enfin bref. Donc retenez juste que c'est un préfixe pour dire ce sont des nobles ou des riches, bref, des gens importants quoi. Alors, 2 points de compétences. Fantastique. Donc on a des informations, on a des richesses qui sont pas très loin, ça peut valoir le coup de finir l'épisode là-dessus quand même. Finissons l'épisode avec un truc un peu relax. Flèche guidée, est-ce que c'est un truc que je visais? Je sais plus. En tout cas, je peux l'acquérir. Je regarde un petit peu ce que j'avais validé précédemment. Glissade d'assassin, c'est cool. Il y avait un truc pratique que j'avais visé, mais je crois que je l'avais acquis. Ouais, grande épée, c'est bon. Rage froide. Ça, en vrai, c'est craqué quand même. Dès que je suis dans un combo d'attaque rapide, je peux pas être interrompu. Ça, c'est vachement cool. Par contre, je suis pas invincible. Ça, il faut le garder en mémoire. Butin comestible. Ah ouais, ça, c'est cool. On l'a vu, effectivement. Quand j'ai vaincu, enfin dans beaucoup de combats en fait. Dans beaucoup de combats. Donc ça c'est assez chouette. Pillage de flèches, c'est plus tellement absurde maintenant que je me sers beaucoup de l'arc. Ça c'est un réflexe que j'ai développé subitement dans les épisodes récents. Dégâts d'attaque légère, c'est cool. Mais quand même flèche guidée, j'avoue que c'est ultra cool aussi. Qu'est-ce qu'on a comme grosse compétence? Alors dégâts d'assassinat pour l'instant c'est pas ultra important, mais ça pourrait le devenir très vite. Frappe dans le dos, on sait que c'est important quand même. On peut se diriger vers Trompe la Mort. C'est pas indispensable. Et après, sincèrement, il y a des trucs, mais on n'a pas les points pour ça, donc c'est pas notre problème immédiat. Dans l'inventaire, j'ai des trucs qui sont nouveaux. Dans le sac, notamment. Ouais. Ah, les runes, par contre, c'est vrai que ça peut valoir le coup de s'arrêter un petit peu dessus. On a beaucoup de matériel, donc ça pour la colonie c'est une très bonne nouvelle, j'en parlais dans les deux épisodes, donc celui-ci et le précédent.
Matière première, on en a un petit peu. J'ai même peur que ce soit pas trop assez. Pas trop assez. Ouais, d'accord. J'ai peur que ce soit pas assez. Beaucoup de babioles à revendre, donc ça c'est chouette. Objet de quête. Chardon. Ok. Chardon qui est le symbole de... Que je dise pas de bêtises. L'Écosse. Ouais, le Pays de Galles, c'est le poireau. Ah là là, les cours d'anglais au collège. Les différents symboles. Des parties du Royaume-Uni. Ok, ça marche. Et quoi d'autre qui est neuf? Ben c'est bon, j'ai tout vu là, non? Qu'est-ce qu'il me veut là? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il a mon inventaire? Qu'est-ce qu'il a mon sac? Non mais c'est du troll, j'ai tout vu, ça va. Un texte que j'ai pas lu peut-être? Ça j'ai lu. Message de vengeance. Poisson prodigieux, et où les trouver? Ouais, super, machin, nanana. Ouais, merci. Ça c'était cool à lire. Clé de porte de Wald. Non, mais c'est cool, c'est bon, j'ai tout. Ça me rend fou quand le jeu fait ça. Quand il me dit, hé, t'as un truc nouveau dans ton inventaire, tu l'as pas regardé. Et quand tu regardes dans l'inventaire, tu vois que sur chaque élément, tout a été découvert. Bien, retour. Et non pas à Tamworth, mais à la forteresse, quoi. Celle dont j'ai bien sûr oublié le nom. Bon, prudence avant. Elle descend pas de la montagne à pas cheval. Parce qu'on descend pas, il n'y a pas de montagne et on n'a pas de cheval. C'est ça la blague. Hilarant. Alors du coup, moi, ce que je cherche, effectivement, ce sont les richesses. Bon, je pense qu'il y a moins de monde à Temple Brow. Oui, du coup, ah oui. Ok, j'étais en train de dire un truc tout à l'heure et je me suis totalement coupé pour partir sur un hors-sujet complet. J'ai beaucoup de respect pour la reine. Parce qu'elle même a beaucoup de respect et d'affection pour ses servantes. Parce que si la servante était prête à se sacrifier pour elle, et elle s'est quand même inquiétée de leur sort. Donc ça c'est un truc que je respecte énormément. Quand on a un statut important et qu'on se préoccupe quand même des gens. Quand on est humain, quoi. Qu'on a un petit peu de considération pour les gens qui nous sont fidèles. Adieu. Ah, ça l'a pas tué, lui. Non, effectivement, ce sera assez court. Énorme parade, bien sûr. De ta part aussi, mon ami. Par contre, toi, t'as été un peu lent. Comment ça, passer sur le côté? Déçu. Alors oui, le piqué, décidément, je vais... utiliser la manière très forte. Ouais, c'était un peu bizarre avec le plafond quand même. Oh, il était au sol, j'en ai pas profité, c'est un peu dommage. Comme quoi, en plus... bah... mort empoisonné, mais vraiment de la pire des manières. Il est où, lui? Ah, il est là. Je le cherche en haut. Alors que je l'avais vu un petit peu plus tôt au sol, hein, quand même. Ok. J'avais quasiment rien à dire sur la reine et j'ai trouvé le moyen de faire un gros hors-sujet. Bon, qui était intéressant quand même, hein. J'ai dit des trucs un peu... Allô? Oula. Oulala. Bonjour. Ah. Ça c'était pas prévu, alors attendez. Ah, bah je crois qu'on va... je suis en train de brûler. Ce cuir est tout neuf. C'est ça qu'elle vient de dire. Ouais, on est vraiment pas censé être coincé là, on est d'accord.
Est-ce qu'on peut escalader quelque part? Ah non, parce qu'on n'est pas censé escalader à l'intérieur, c'est ça le truc. Bonjour. Attendez, il y a peut-être des roulades à faire, des trucs sympas. Des trucs sympas. Non, justement, c'est pas sympa, c'est plus nécessaire, quoi. Mais du coup, j'ai pas pillé la richesse. Bon, l'auto-sauvegarde, je t'en prie, sauve-moi. 20... Ah oui, non, ça, c'est l'heure de jeu, pardon, c'est le temps de jeu. 3h20, on a perdu 4... On a perdu 4 minutes. On va rusher jusqu'au coffre, parce que ce serait vache de ma part de dire « Ok, c'est fini, à la prochaine !» Comme je l'ai déjà fait certainement beaucoup de fois, ça je m'en souviens très bien. À une époque, j'étais beaucoup plus à cheval sur la durée très précise de mes épisodes, ou une fourchette très précise en tout cas. Oh, ça m'est déjà arrivé de couper des épisodes en pleine mission, c'est pas... Et bon, de là à dire « Ok, on fait ça », puis finalement de dire « Je le fais pas », c'est un peu... J'avoue que c'est un peu vache quand même. Parce que je suis moi-même très curieux, parce que ça veut dire que si j'arrête l'épisode là, moi je m'arrête là aussi, quoi. Donc j'ai quand même envie de savoir, donc par respect pour moi et pour vous, je vais quand même le faire. Ok, on réapparaît au niveau du temple. On va faire le tour. Sois mes yeux. Oh super, on perd du temps, quoi. Pour des trucs pas forcément intéressants en plus. Mais écoutez, on s'est embarqué là-dedans, on va assumer. Je le montrerai à ma frangine, ça tient, parce qu'elle a failli être coincée comme ça. Elle a été sur un truc. Elle a été montée sur un truc qui normalement ne devait pas être montable, escaladable. Quel que soit le mot correct. Je crois qu'il n'y a pas de mot correct. Je crois que je suis censé dire un truc sur lequel on n'est pas censé monter. Et par miracle, elle a réussi à se décoincer quand même. Ceux qui sont morts sont... Bah non, pas du tout. Ils sont pas restés morts puisque lui était mort à la base. Je l'ai raté. Comment ? J'aime les broussailles, hein ? Attendez, comment ? C'est comment votre truc là déjà, flèche guidée ? Au niveau des compétences ? Parce que j'ai testé un truc mais ça a pas marché. Ah, appuyez sur R1, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'appuie sur R1 pour tirer ou je... D'accord, je relâche et j'appuie sur R1 ensuite. Non, je relâche l'autre touche. Celle de la flèche, pas de l'arc. Ah, ou alors... Bah, je sais pas, ça marche pas. Je testerai plus tard, c'est pas grave. Tiens, petit test. Hop. Petit ciblage. Je peux pas te cibler, toi? Tac. Lui, c'est bon. Et lui aussi. Très pratique, quand même, cette marque de la mort. Bon, alors toi, tu me donnais quoi, déjà? Je crois que je l'ai jamais su, parce que... Ah, c'est toi! C'est pas le coffre! Ah, mais t'as un lingot, j'imagine, vu le logo. La réponse. Ouais, il y a pas. Et si, il y a un coffre là quand même. Waouh, un lingot, quelle surprise! Et le coffre. Encore une richesse. Du fer et du cuivre. C'est pas une vraie richesse, mais c'est bon à prendre. Deviens mes yeux. Ok, bon. Je vais sortir de la forteresse. Enfin, je quitterai pour sauvegarder. Bon, après, il n'y a plus qu'une richesse. Allez. On y va. Il n'y a personne qui nous verra, tout va bien se passer. J'ai mis un marqueur sans le faire exprès, c'est pas grave. Je voulais marquer la richesse et j'ai marqué un autre truc à la place. J'ai marqué du vide. Ouais, bonjour. Super soirée, Abatella, ouais, super, grosse ambiance.
échappe à son sort. Ah ouais, tu veux tester? Regarde-moi échapper à mon sort. Et qui te dit d'ailleurs que mon sort, c'est de mourir? Ah mais c'est pas du tout dans la forteresse. C'est plus à l'extérieur. Mais justement, ils se disent qu'on n'ira pas chercher ça forcément. Alors, il y a des gens sûrement. Oh, il y a deux gens. Deux gens qui boivent. Mais l'assassinat enchaîné. Tiens, je pique ton repas. C'est à moi. Alors, c'est où l'échelle pour descendre? Me dites pas que je les ai tués pour rien. Ok, on descend par là. Tac. Tu peux descendre, Ivor, s'il te plaît. Merci, fais l'effort. Voilà. Génial. Ah. Bon, super. Ouh, cape de chasseur. Ça, c'est cool, on a trouvé un truc sympa. Oh, et en plus, c'est déjà amélioré une fois. Donc ça a déjà la classe. Fantastique. Montrez-moi un peu ça, qu'on finisse sur une belle note. Ouais, non, la cape, c'est ici. Après, la cape du clan du Grand Corbeau est quand même super stylée. Ouais, la cape... Oh, la vache, la cape de chasseur. Cette fourrure. Bon, après, ça fait un peu chaud, quand même. Bon, je préfère quand même la cape du Grand Corbeau, c'est plus élégant. Mais après, faut voir les bonus. Là, c'est l'ensemble, ouais, ensemble de chasseurs lorsqu'on a 5 sur 5. Faudra que je regarde, on fera l'inventaire plus tard pour l'ensemble du chasseur. Mais je crois qu'on a quasiment tout. Augmentation de dégâts à distance en cas de coup porté à des ennemis à plus de 20 mètres. Ça peut être utile, on l'a vu. Augmentation supplémentaire de vitesse. Plutôt chouette. Chasseur, j'ai le casque. J'ai l'armure. J'ai pas les brassards. Par contre, je crois que j'ai les bottes. On a quasiment tout, donc ça c'est cool quand même. Ok. Et bah super, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Effectivement, Burgred n'était pas dans cette forteresse. On a capturé sa femme, qui n'a pas l'air très disposée à nous aider. Évidemment, c'est logique. Mais ses servantes, peut-être, seront elles aussi un peu plus bavardes. Elles sont peut-être au courant de certaines choses. Bon, peut-être après qu'on peut marchander un petit peu pour la convaincre que c'est dans son intérêt de nous dire où est son mari. Je crois qu'on n'a pas prévu de le tuer d'ailleurs. Je crois qu'on veut simplement qu'il se soumette. Sauf Ivar bien sûr, mais Ivar est un imbécile. Donc le plan n'est pas de le tuer. Mais après, lâcher le trône, j'avoue que pour un roi c'est pas... Surtout face à des ennemis, c'est pas naturel du tout quoi, donc forcément... On comprend la démarche, et on respecte bien sûr. Deux fois que je tape dans le micro, désolé. Allez, des bisous, à la prochaine.